Tu connais celui-là? C'est Jonathan Bardella. Alors, celui-là, il est arrivé en disant, parce qu'on va rigoler, hein. Il pense qu'un ouvrier commence sa carrière à 21 ans. Un ouvrier commence sa carrière avec plus 4. Ça, c'est ce qu'il a en tête. Et donc, il dit, bah, c'est pas juste parce que vous allez cotiser plus longtemps. À la retraite à 65 ans. Bien. Le fait que l'ouvrier commence plus tôt, ça ne dépend pas de l'âge de la retraite. Alors on fait le dessin, s'il vous plaît, pour M. Bardella. Parce qu'il a du mal à comprendre que l'âge de la retraite, ça ne change pas. Je mets l'âge de la retraite ici à 65 ans. Si je le mets là à 60 ans, l'ouvrier, quoi qu'il arrive, comme lui, il commence à travailler plus tôt que le cadre, c'est pas l'âge de la retraite qui fait la différence. Donc ça, c'est un argumentaire. On sait que M. Bardella, il n'utilise pas son cerveau, en fait. L'ouvrier qui commence là, et le cadre qui commence là, la distance en temps, sur l'échelle de chronologie, que vous ayez à faire ça, quand vous êtes cadre, ou que vous ayez à faire ça quand vous êtes ouvrier, ça ne dépend pas du point d'arrivée en fait. L'écart ne dépend pas du point d'arrivée. C'est bien pour M. Bardella de comprendre, c'est vrai qu'un ouvrier va devoir travailler plus longtemps, parce qu'il commence à travailler plus tôt. D'un côté, il a des salaires plus petits, et peut-être que s'il veut travailler moins longtemps, il n'a qu'à faire des études. Et vous voyez l'écart? Eh bien, ce sera toujours cette distance-là. C'est-à-dire, c'est le temps d'année d'études. Ça dépend absolument pas, mais alors absolument pas, de l'âge de la retraite. Que la retraite soit à 65 ans, ou qu'elle soit à 70 ou à 100 ans, l'écart, ce sera toujours l'âge de démarrage. C'est l'âge de démarrage ouvrier. Et l'âge de démarrage cadre. Et quand on est face à un homme qui plane comme ça, qui est en train de se dire, ça dépend de la retraite à 65 ans, que je mette 65 ans ici, 70, 100 ans, pour l'âge de la retraite, l'écart ce sera toujours le même. Ce sera l'écart de départ. Ça ne dépend pas de l'âge de la retraite. Bardella, il plane et il raconte n'importe quoi. D'accord? C'est-à-dire que peu importe quelle est l'année, l'âge ici final, vous mettiez 60 ans ou 65 ans. Dans les deux cas, la flèche qui atteint l'objectif, elle a précisément le même écart. Qui est, hop, la différence entre l'âge de démarrage d'une carrière ouvrière et l'âge de démarrage d'une carrière cadre. C'est fou, hein? Alors, la différence, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'un ouvrier cotise plus longtemps? Parce que tout ça, c'est ce qu'on appelle les études. Et quand on n'en a pas fait, on continue de croire que ça va dépendre de l'âge final. Alors qu'en fait, ça ne dépend pas de l'âge final. Et vous avez nommé cet homme-là chef de parti politique. Alors que de toute évidence, il ne sait pas compter.